Ce Jean-Michel Azir, 8 en action, 2e, 3e position, très rapidement, en compagnie de l'ondeur de Hurlant Duval, qui est parti extra et qui essaie de prendre la direction de l'épreuve, alors qu'on est au grand galop avec le 2 Tumble Dust. On perd le numéro 2 Tumble Dust, va être éliminé. On est parti très doucement avec Texas Charm, qui est à l'extérieur et qui doit assurer. Ça se passe pas très bien pour Texas Charm. Pendant ce temps, devant, c'est Mosaïque qui a pris la direction de l'épreuve avec Pierre Verprise. En 2e position, le numéro 12 Napoléon Bar. Upankou qui est formidable, il est 3e, Jean-Michel Bazir. Il est tout près des deux leaders. Thibaut est parti très vite. Hurlant Duval, Cédric Bégissier en jaune est remarquablement placé. Et le petit dernier de cette épreuve, le petit 5 ans, Alain Descajoles, est à proximité du leader en casaque verte, 6e actuellement. On est parti très vite sous l'impulsion du numéro 9, Mosaïque. Mosaïque pour passer devant les tribunes, sous la foule dans le peloton en lierre, c'est formidable. Le numéro 9, Mosaïque, va tellement vite pour aborder la descente. En 2e position, numéro 4, Soldato, c'est le concurrent venant des États-Unis qui passe 2e. Le 12, Napoléon Bar est 3e en dedans. Toute l'Europe, le monde entier est en tête. Toutes les Kazakhs représentant toutes les nationalités. Toujours sous la conduite de Mosaïque, qui est la direction de l'épreuve. Numéro 9, le 12, Napoléon Bar est 2e. On plonge le long de la corde avec le numéro 4, Soldato. Notre favori français, 4e, c'est Jean-Michel Azir. Il se met en dedans. Il rassure un petit peu. Upankwik, il est plein gaz. Upankwik, le numéro 15. Un peu plus loin, c'est Thibaut. Thibaut qui calque sa course sur celle de Upankwik. Hurlant Duval n'est pas loin, ça se passe très bien. Alain Descajoles est juste dans le dos de Hurlant Duval. Les autres sont loin car ça barre depuis le départ. Thibaut détend à temps avec Roxane Griff, mais 10-12e assez loin, à une trentaine de mètres des leaders. Le leader, c'est toujours numéro 9. En 2e position, le 12, celle de Quick. Lui, il sait avaler la montée et il va l'avaler et il va prendre la tête. Upankwik, Jean-Michel Bazir qui va se propulser au commandement aux côtés du numéro 9, Mosaïque. 9 et 15, Pierre Verprise contre Jean-Michel Bazir. La 3e place bientôt pour Soldato, le long de la corde avec Napoléon Barre, qui est en dedans. Timoko n'est pas loin de Upankwik, alors que Thiago Détang est encore assez loin. Roxane Griff est loin. Texas Charm est loin également. Hurlant Duval est plein gaz dans le dos de Timoko. Plein gaz également à la dame des Cajoles, le petit jeune, l'Alzan qui est 7-8e. On a parlé des tournants. Mosaïque toujours en tête avec Upankwik. Jean-Michel Bazir met dans le dos de Mosaïque Upankwik pour lui donner un nouveau moral peut-être. Timoko, Hurlant Duval qui vient plein gaz. Hurlant Duval, il va faire l'arrivée. Et l'extérieur, une bombe se rapproche. C'est Maven, le numéro 14, qui s'est rapproché très vite en donnant son sillage. Thiago Détang, alors que Alain Descajoles doit jouer des coudes pour se rapprocher. Alain Descajoles, numéro 6, se rapproche. Maven a des soucis, numéro 14 disparaît. Voltigeur de Myrte passe à l'attaque à l'extérieur. C'est Upankwik avec Jean-Michel Bazir. Upankwik pour Philippe Delon. Alors très droite, notre favori. Upankwik, la France en tête. Voltigeur de Myrte, 2e, Timoko. 3e, Alain Descajoles va prendre l'eau. Upankwik, Jean-Michel Bazir. Et Amérique peut-être cette année, après la 2e place de Maradja. Upankwik va l'emporter. Voltigeur de Myrte est 2e. Timoko est 3e. Hurlant Duval va chercher la 4e place. La 5e place pour Alain Descajoles, Jean-Michel Bazir et Upankwik, on vous aime! Eh oui, magnifique victoire! C'était son année, Franck Leblanc avait dit c'est notre année, si on doit gagner ce prix d'Amérique avec Upankwik, on a tout fait, on a tout axé sur cette course, on a bien démarré, on s'est bien fait ramener et on a pris les choses à notre compte dans le dernier tournant et on a été jusqu'au bout, voilà, c'est ce que pourrait dire Franck Leblanc ou Philippe Delon, et le cheval a répondu présent, il gagne ce prix d'Amérique. C'était mon favori avant le coup, il a répondu présent, mais quelle course de Voltigeur de Myrte. Il a eu le mérite de lancer les hostilités à l'intersection des pistes, il a été jusqu'au bout. Déjà, les Donati avec Roxana de Barbray, 4e, ont fait une fête pas possible il y a 3 ou 4 ans. Alors un 2e Voltigeur de Myrte, exceptionnel.